last speaker and our opportunity then to raise questions and comments for the panelists. I'm delighted to introduce Professor Anna Pagers, who's the director of the Max Planck Institute, speaking on transparency in international law. Merci pour l'invitation, je vais parler en français. Mais j'ai fait une polycopie. Olivier Froubil a fait un polycopie qui a été distribué aux participants, en français aussi. Alors, suite aux révélations récentes sur la surveillance à grande échelle opérée par l'Agence de sécurité américaine, la transparence est un mot-clé au sein du discours politique, mais elle est encore peu analysée en droit international. Et pour combler cette lacune, je propose de demander trois questions. Premièrement, il s'agit d'un exercice de mapping. Je voudrais bien demander quel est le degré de transparence dans la création et dans l'exécution du droit international et de son application. Et deuxièmement, je voudrais demander s'il existe véritablement une tendance vers une plus grande transparence. Quelles sont les causes de cette tendance et comment peut-on évaluer de façon normative? Et ma troisième question sera, seront quelques recommandations politico-juridiques concernant la transparence. J'espère que tout le monde a les photocopies et j'ai encore trois versions. Là, sur la feuille, j'ai d'abord clarifié le concept de transparence. Qu'entendons-nous par transparence? Moi, j'entends par ce terme une condition dans laquelle les informations pertinentes, par exemple en matière de droit de politique, sont accessibles. J'ai mis ça aussi sur la feuille. Quelque chose de transparent nous permet de voir à travers. Et le contraire de la transparence n'est pas seulement l'opacité, secret et confidentialité, mais également la complexité ou le désordre. Déjà, la pluralité des contre-termes montre que le concept de transparence a lui-même plusieurs significations qui dépendent du contexte. Je trouve important que ce que le service de sécurité américain, le NSA, vient de faire ne correspond pas à la transparence dont il est question aujourd'hui. Les citoyens jouissent d'emblée d'une protection de leur vie privée fondée sur les droits fondamentaux, contrairement aux institutions étatiques et aux organisations internationales. Donc, la transparence vaut pour ces institutions, mais pas pour les citoyens. Voilà pour ma notion de transparence dans le cadre du droit international public, et je viens maintenant au point 2. État de lieu, mapping. Dans pratiquement tous les domaines du droit international public, comme le droit de l'environnement, le droit économique, la protection internationale des droits de l'homme, le droit des conflits armés, le droit de la santé, le droit du maintien de la paix et de la sécurité, des exigences relatives à une transparence plus importante au sein des institutions et des procédures sont apparues dans les dernières années. Et j'ai établi sur la feuille une liste avec les derniers documents clés. Dans cette liste, j'ai fait la distinction entre la transparence pour la gouvernance, c'est-à-dire les exigences posées aux États par le droit international, transparency for governance, et d'autre côté, la transparence de la gouvernance mondiale, à savoir la transparence des organisations internationales elles-mêmes, Transparency of Governance. Dans la première catégorie, j'ai mentionné par exemple la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information environnementale et la Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics de 2009 qui n'est pas encore en vigueur. Dans la deuxième catégorie, Transparency of Governance, il faut mentionner le règlement de transparence de l'Union européenne, ou par exemple aussi sur l'OMC, le rapport important de Sutherland Report, qui
traite aussi dans un chapitre de la transparence augmentée, de la nécessité d'augmenter la transparence de l'OMC. Troisième exemple, la nouvelle politique de la Banque mondiale en matière d'accès à l'information du 2010. Tous ces documents légalisent les efforts politiques vers plus de transparence, et cela est un véritable transparency turn dans la gouvernance mondiale. En tant que juriste, nous nous intéressons naturellement à la qualité normative de ces tendances. Il n'existe en tout cas pas d'accord international sur la transparence, mais la pratique actuelle pourrait constituer une norme internationale coutumière ou un principe général du droit. Mais pour pouvoir appréhender un concept normatif au sein de ces deux rubriques, il faut d'abord que deux conditions structurelles fondamentales soient remplies. Premièrement, le concept de transparence devrait être suffisamment précis pour être en mesure de créer une obligation définie et pour pouvoir permettre d'évaluer le respect d'une telle obligation. Et doivent également exister un tributaire et un bénéficiaire clairement définis. Ces deux conditions ne sont pas simples à mettre en place dans le cadre du concept de la transparence. C'est pour cette raison qu'une obligation générale, globale de transparence ne peut actuellement pas constituer une norme dure du droit international. Mais ce fait n'est peut-être pas si pertinent ici. Peut-être que les sources classiques au sens de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice ne nous disent pas en vérité grand-chose sur l'impact des normes même mous qui influencent le comportement des acteurs internationaux. Je viens au point 4 et je parlerai sur le droit à l'information qui pourrait constituer un catalyseur pour la consolidation d'un principe de transparence. Vous savez que ce droit à l'information est prévu par tous les accords régionaux et universels relatifs aux droits de l'homme. Ce droit à l'information n'est désormais plus seulement interprété comme une obligation étatique de ne pas faire obstacle à la diffusion de l'information qui est de toute façon déjà présente dans l'espace public, mais est maintenant interprété comme un droit positif. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, dans un récent arrêt de grande chambre, a déduit de la disposition de l'article 10 de la Convention un droit d'accès aux documents publics. Et cela constitue une interprétation nouvelle, importante, qui élargisse le champ de la disposition rationnée matérielle. Et puis, il y a aussi élargissement sur le plan personnel relatif aux destinataires de ce droit à l'information. Normalement, les conventions relatives aux droits de l'homme s'appliquent aux États. Mais pour que le droit à l'information puisse agir efficacement comme catalyseur de la transparence mondiale, il devrait être opposable aussi à d'autres acteurs et non seulement aux États. Car, en raison de l'augmentation relative des compétences et du pouvoir réel des organisations internationales, les informations importantes ne se trouvent pas qu'entre les mains des États, mais aussi entre les mains des organisations internationales. Le professeur Whitley avait aussi mentionné cette augmentation de pouvoir des organisations. Afin de ne pas réduire la valeur et la fonction du droit à l'information, il devrait ainsi être opposable aux propriétaires de l'information. Il serait par exemple utile de pouvoir invoquer le droit à l'information à l'encontre de la Banque mondiale en rapport avec ses décisions de financer des projets de développement écologiquement sensibles, par exemple. Une récente observation générale du Comité des droits de l'homme des Nations Unies relative à l'article 19 du pacte, le droit à l'information, s'inscrit exactement dans ce contexte. Et là, le comité décrit les bénéficiaires et les tributaires du droit à l'information de façon fonctionnelle et non pas de façon formaliste. Et dans cette observation générale, elle est précisée que la disposition sur le droit à l'information
garantit un droit d'accès aux informations lorsque ces informations sont entre les mains des entités qui exercent des activités de puissance publique, qui exercent des activités qui ne sont pas nécessairement formellement des institutions étatiques. Donc, en somme, il convient de noter que le droit à l'information pourrait agir comme catalyseur pour la consolidation d'une norme sur la transparence mondiale, à continuité terminée, avec les bénéficiaires et les tributaires, si il est interprété matériellement et personnellement de cette manière plus élargie que je viens de décrire. J'arrive au point 5. À quoi servirait une telle norme internationale de la transparence? Quelles seraient et quelles sont les fonctions de la transparence dans notre contexte? Au sein du droit international et dans le domaine de la gouvernance internationale, trois divisions de l'exercice de la transparence peuvent être observées. Premièrement, la transparence conduit à plus de accountability, obligation de rendre compte, en français, il n'y a pas vraiment de français, ça soutient la participation et la démocratie. Deuxième groupe de fonctions, la bonne gouvernance. Et troisième contexte, assurer ou améliorer l'efficacité et l'efficience de la gouvernance. J'aimerais maintenant me consacrer seulement à la première de ces fonctions. La démocratie, dont on a parlé amplement maintenant, nécessite de la transparence. Et la position classique provient de James Madison, un Federalist, je cite Madison. Un gouvernement du peuple, sans informer le peuple, ou sans lui donner les moyens de s'informer, n'est que le prologue d'une farce, d'une tragédie, ou bien des deux. Le savoir va toujours gouverner l'ignorance, et un peuple qui veut être son propre chef doit se prémunir du pouvoir obtenu par le savoir. Fin de la citation. La transparence est de toute évidence une conditio sine qua non, du consentement éclairé des gouvernés, du informed consent of the governed. Donc la transparence est nécessaire pour déceler les abus et pour défendre des intérêts. La transparence peut également améliorer l'exécution de l'obligation de rendre compte, peut améliorer les mécanismes de accountability. Mais la question se pose de savoir envers qui les créateurs du droit international et les décideurs politiques doivent être accountable. Envers qui? Par exemple, les organisations internationales ne doivent-elles être responsables que devant les États membres, ou devant l'ensemble des États, ou devant une citoyenneté mondiale? Je ne peux pas répondre à ces questions seulement les soulever. Il est aussi possible de soulever une objection ici contre la transparence. La transparence n'est-elle qu'un substitut, qui remplace les réelles questions, les questions de fond, telles que la démocratie, question de la bonne gouvernance, de l'efficacité économique, de la justice sociale et de l'état de droit? Ma réponse est oui. C'est un substitut, mais un substitut nécessaire, car la transparence remplace la sécurité, qui est de mon avis inatteignable dans un espace mondial de pluralité politique, grâce à un procédé, donc c'est un procédé qui permet à chacun de se forger sa propre opinion sur les questions de gouvernance mondiale. Quand la transparence est accompagnée de mécanismes participatifs, elle peut contribuer à la formation, aux réformes de la gouvernance mondiale à l'aide du débat public. Les politiques de transparence ne créent alors, dans une certaine mesure, que des titres de légitimité vides, dans une certaine mesure. Ces politiques de transparence constituent pourtant souvent un premier pas judicieux vers l'amélioration de la accountability et vers la légitimité du droit international public, dont a parlé aussi professeur Wick. Maintenant, je viens au point 6, les dangers. Dangers de la transparence. De toute évidence, une transparence trop grande au sein du droit international présente des risques, ça c'est clair. Il est possible de distinguer entre
les conséquences intrinsèques négatives de la transparence, comme les dangers pour la qualité des délibérations. Il y a aussi un deuxième aspect, ce sont les intérêts légitimes opposés, comme des intérêts de sécurité, des intérêts de la vie privée et la confidentialité commerciale et industrielle. Et troisièmement, comme toutes les politiques, les mesures de transparence ont un coût, elles relèvent également de contraintes temporelles et locales. Et quatrièmement, la transparence ne peut être que simulée de par la submersion des données, la désinformation et la propagande qui jouent traditionnellement un rôle important dans les relations internationales. Il est aussi important de noter que les mesures de transparence peuvent être contournées. Les acteurs juridiques et politiques peuvent tenir des réunions secrètes derrière la façade des séances publiques, par exemple les fameux green rooms dans l'OMC. Ils peuvent gérer des dossiers secrets en parallèle aux dossiers publics, ou ils peuvent dans l'absolu minimiser la documentation. Si la transparence ou la trop grande transparence dans un certain contexte conduit à ce type de conséquences prévisibles ou même inévitables, c'est la totalité de la politique de la transparence qui sera inefficace, voire contre-productive, et qui va conduire à davantage d'opacité. Les plus gros problèmes qui découlent d'une norme de transparence internationale éventuelle concernent, à mon avis, le domaine de la création du droit, lawmaking. Traditionnellement, par la négociation diplomatique des accords, ça c'est point 7 sur le polycopié, s'applique ici la philosophie traditionnelle de la confidentialité au sein de la diplomatie. Un diplomate anglais a écrit, je cite, « le principe ancien selon lequel l'art de la négociation repose sur la fiabilité et la confidentialité est un principe éternel », dit le diplomate. La confidentialité et donc l'opacité est-elle alors vraiment une condition éternelle et indispensable du processus d'élaboration du droit international public? Cela n'est pas le cas si l'on se fie au paradigme délibératif des relations internationales, constaté non seulement par nous ici dans l'auditoire, mais aussi par des politologues. Par exemple, il y a une école politologue en Allemagne et aux États-Unis qui analyse le mode de argumenter en opposition avec négocier. Arguing against bargaining. Argumenter est défini en tant que comportement communicatif basé sur des préférences variables pour lesquelles sont avancés des arguments et qui cherchent à atteindre un consensus justifié. Ça, c'est argumenter, le mode de argumenter. Au contraire, le mode de négocier, de bargaining, est un comportement communicatif qui se base sur des préférences fixes et pas flexibles, autour desquelles des revendications, des menaces et des promesses sont échangées au lieu des arguments. Le clou est maintenant que l'argumentation se distingue de la négociation par la nature triadique. L'argumentation a une nature triadique et pas seulement bilatérale, parce que argumenter comprend la référence à une autorité extérieure, communément acceptée, afin de valider les assertions empiriques ou normatives dans cette argumentation. Et cette autorité extérieure peut être un public qui se pose en arbitre du meilleur argument. Et ce public peut également être le grand public qui observe les négociations internationales, par exemple. Au sein de ce paradigme, la transparence semble être un élément indispensable de la gouvernance mondiale. Plus les procédés de droit international se déplacent d'un mode de bargaining vers un mode de argumentation, plus ils sont compatibles avec la publicité et la transparence. Un exemple récent de l'engagement vers une diplomatie transparente sont les négociations à propos du climat. La conférence et la réunion des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et au protocole de Kyoto à Cancun, en Mexico, en 2010, avec clairement la transparence comme ligne directrice, c'était la doctrine officielle de cette conférence. J'ai mis la référence sur la page du polycopier.
La présidente mexicaine de la conférence s'est engagée à respecter les principes de transparence et de inclusion, inclusion qui a été aussi mentionné par les orateurs précédents. Bon, mais qu'est-ce qui est en jeu quand les processus diplomatiques deviennent plus transparents? Quels sont en réalité les effets négatifs qui interviennent quand il est permis à des non-participants d'écouter des négociations et des délibérations? Face à un public, les participants aux négociations veulent éviter de donner une impression de déséquilibre, de faiblesse et de versatilité. Et c'est pour cela qu'ils deviennent plus radicaux et inflexibles lorsqu'ils se retrouvent face à un public. La transparence pousse les participants à la communication à agir avec rigidité, faussement, et de façon à éviter les avis risqués ou innovateurs. Et le résultat est souvent soit la probabilité d'aboutir à une impasse, soit à un accord bâclé de dernière minute. Ça, ce sont les effets négatifs qui sont aussi empiriquement validés des négociations vis-à-vis du public. La transparence peut cependant aussi avoir des effets positifs dans les négociations, et l'un de ces effets positifs est celui que Yon Est, le Collège de France, a qualifié de force civilisatrice de l'hypocrisie, the civilizing force of hypocrisy. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il veut dire que la transparence pourrait amener les créateurs de droit et les décideurs à éclaircir leur position sur les normes socialement acceptées. La pression sociale va faire en sorte qu'ils justifient leur prise de position d'après des considérations d'intérêt général et non pas d'après leur intérêt propre. Même si ces positions sont hypocrites, elles peuvent mener à des meilleurs résultats parce que les mauvais arguments sont officiellement bannis et ont de ce fait beaucoup moins d'impact sur la décision qui sera finalement prise. Ça, c'est le civilizing effect of hypocrisy. Je viens au point 8. Après l'aperçu des avantages, mais aussi des risques de la transparence, ça nous permet de formuler des recommandations juridiques. Delegue ferenda, à mon avis, le droit international public et aussi les institutions internationales devraient devenir plus transparentes. Et cela signifie que la tendance actuelle, qui est déjà clairement visible, devrait, à mon avis, se poursuivre. Et je souhaiterais faire trois propositions. Premièrement, il faut évaluer tous les placements vers plus de transparence en raison de ses répercussions positives, mais aussi négatives. C'est-à-dire, une transparence totale en droit international public n'est ni adéquate ni réaliste. La question n'est pas tant de savoir si la transparence doit exister, mais bien plus dans quelle mesure et dans quel contexte. Deuxième proposition, je propose une présomption légale au profit du principe de la transparence qui devrait être reconnue. Quelles seraient les conséquences concrètes d'une telle présomption? Une présomption de transparence signifierait que la non-publication des documents, l'exclusion de la publicité des débats, devrait être justifiée et devrait être justifiée sur la base des exceptions légales qui étaient clairement définies et transcrites. Ces exceptions ne peuvent recevoir application que lorsque les raisons pour cela ont été rendues publiques. Et la charge d'allégation et le fardeau de la preuve pour la nécessité de non-publicité seraient ainsi transférées à l'institution même et non au public qui réclame l'accès aux documents au départ. Ma troisième proposition est que l'opacité devient plus acceptable si elle entre dans un cadre de ce que nous avons appelé la métatransparence. Métatransparence signifie que les raisons menant à l'opacité doivent être elles-mêmes rendues transparentes. C'est à travers de ce procédé qu'un élément de la responsabilité publique serait introduit dans la sphère non publique. Pour conclure, et je suis maintenant au point 9, je souhaiterais contextualiser plus globalement le transparency term international. Cette vague de documents de transparence et de mesures de transparence que j'avais nommées. L'exigence de transparence
au sein des organisations internationales et dans la création et mise en œuvre du droit international réagit contre un déficit. Un déficit de transparence était ou est ressenti, évidemment. Pourquoi est-ce qu'un tel déficit est ressenti? Premièrement, parce que le droit international est de plus en plus dense et de plus en plus intrusif. Il touche de plus en plus les individus dans leur vie quotidienne. International law matters. Plus le droit international et la gouvernance mondiale s'intensifient, plus ceux-ci assument de charges qui étaient auparavant réalisées par les acteurs et mesures au niveau national. Et en raison de cette répartition et ces fonctions, la gouvernance mondiale devrait relever des limites et conditions de moins fonctionnellement équivalentes à celles de la gouvernance nationale. Et une de ces conditions correspondant, en tenant compte des objectifs du rule of law et de la démocratie, à la transparence. Il est ainsi, à mon avis, logique que le nouveau principe de transparence internationale reproduise un développement antérieur du droit national, à savoir l'explosion de la liberté d'information dans les années 1990. Deuxièmement, et en allant un peu plus loin, la problématique internationale ne constitue pas seulement une simple répétition de la problématique nationale. J'ai dit au début que c'était une répétition, mais c'est encore plus qu'une répétition. Parce que la mondialisation et la gouvernance mondiale créent un degré élevé d'opacité politique, tout simplement du fait que les acteurs politiques se soient multipliés et sont plus éloignés du citoyen, et au fait que les procédés soient devenus plus compliqués et donc plus opaques. Ça, c'est inévitable, à mon avis. C'est l'effet pratique de la mondialisation de la gouvernance. Et c'est pour cette raison que les mesures compensatoires de transparence doivent servir à parer cette nouvelle opacité. Et ce contrepoids peut résulter de trois dimensions de la transparence. En premier lieu, de nouvelles catégories d'entités soumises à l'obligation de transparence doivent être envisagées pour équilibrer le manque de transparence qui est dû à la gouvernance mondiale et aux répercussions extraterritoriales de l'activité étatique. Les entités soumises à l'obligation de transparence ne doivent être plus seulement les États, mais aussi et surtout les organisations internationales elles-mêmes. Deuxième dimension est l'objet de la transparence. Qu'est-ce qui c'est qui doit devenir transparent, plus transparent? Là, on peut mentionner pas seulement les institutions, les structures institutionnelles, mais aussi les documents et aussi les opérations de ces organisations. Je vais laisser ça avec ça. Par exemple, concrètement, un degré raisonnable de transparence mondiale requiert que les organisations internationales disposent d'un site web, qu'elles publient leurs actes juridiques ainsi que leur budget et qu'elles fournissent des rapports annuels, ce qu'ils font déjà pour la plupart. Et la troisième dimension correspond aux ayants droit de la transparence. La question est alors qui devrait pouvoir obtenir des informations? C'était la question que j'avais soulevée avant. Je pense que l'obligation de transparence des États et aussi des organisations internationales s'est déjà étendue et devrait continuer à s'étendre à des nouvelles entités comme des États étrangers, des organisations internationales et aussi des personnes physiques et morale. Et cet élargissement de la transparence interétatique vers une transparence vraiment mondiale et pas seulement interétatique, vers les nouvelles entités, semble démontrer la prise de conscience qui correspond vraiment à la constituency du droit international et de la politique internationale et qui forme le germe d'une société civile mondiale. Indépendamment du fait que, c'est clair, les hommes soient d'abord organisés en État-nation. Une corrélation est ainsi mise en place, une corrélation positive, car lorsque le grand public obtient davantage d'informations, cela contribue aussi à la constitution d'une société civile mondiale imaginée, an imagined global civil society.
Mais une question de faisabilité se pose. Même si la transparence mondiale paraît souhaitable, elle pourrait se révéler purement et simplement irréaliste. Un problème majeur pourrait se trouver déjà dans les différences matérielles et structurelles entre le droit national et le droit international. Quelles sont les différences pertinentes? Quelles sont les différences ou les facteurs qui empêchent l'application d'un principe de transparence mondiale? Il manque deux attributs essentiels au système de droit international. Tout d'abord, le droit international n'est pas le résultat d'un processus démocratique direct. Alors, manque de démocratie. Deuxièmement, les organisations internationales ne possèdent ni de système de checks and balances, ni d'une séparation de pouvoir. Mais ces deux différences importantes n'empêchent pas en tant que telles le transfert des exigences de transparence dans la sphère internationale. Au contraire, on pourrait dire que ces structures encouragent le transfert de transparence. Comme l'a montré le Nobel Prize winner Joseph Stiglitz, je cite Stiglitz, moins d'une entité gouvernance n'a pas de responsabilité devant le grand public, plus il est important que les mesures qu'elle prend soient claires et transparentes. Fin de citation. Et dans ce contexte, et j'arrive maintenant au point 10, nous pouvons, ça c'est ma conclusion, interpréter l'ascension de la transparence dans le droit international comme étant une manifestation d'un changement de paradigme correspondant à une modification du droit international qui était analysée comme analogue au droit privé, tendant vers un caractère public du droit international. Le droit international traditionnel correspond donc principalement au droit interétatique, était, vous le savez, pendant longtemps appréhendé comme un droit privé au sens large, au moins comme analogue au droit privé, private law writ large. Herr Schlauterpacht a constaté que, d'un point de vue formel, le droit international appartient au genre de droit privé, horizontal, etc. La distinction classique entre droit public et droit privé a, je pense, une valeur normative et analytique, parce que cette distinction reflète en effet la distinction entre justice distributive, qui est réalisée de manière verticale, où on va, par des politiques de redistribution, d'un côté, et d'autre côté, la justice commutative, réalisée de façon horizontale par le marché. La norme de transparence qui se développe en droit international, avec sa qualité de facilitateur et dans une certaine mesure comme substitut à l'obligation de rendre compte, aussi un substitut à la participation et à la démocratie mondiale, renforce, je pense, actuellement l'élément de justice distributive mondiale dans le droit international. Et le droit international, en ce sens, se rapproche plutôt du droit public, dans le sens que c'est un droit devant, il faut appliquer la justice distributive, un droit qui se trouve dans le cadre de qui essaie de poursuivre un intérêt public mondial, le grand public, et un droit international qui est également un droit qui limite l'autorité publique, et enfin un droit qui cherche à réconcilier l'autorité publique mondiale avec l'autonomie individuelle. Et la transparence touche aussi un quatrième aspect du droit public, parce qu'en définitive, avec une restructuration vers plus de transparence et avec une présomption en faveur de la transparence que j'avais proposée, le droit international est du droit public dans le sens que c'est un droit créé sous contrôle du grand public, même s'il n'est pas créé par le public à l'échelle mondiale. La transparence de la gouvernance n'est qu'une condition nécessaire, mais pas suffisante pour mettre en œuvre les mécanismes de participation, de responsabilité et potentiellement aussi des mécanismes démocratiques dans la sphère mondiale. En outre, il n'existe pas d'avancée automatique en termes de transparence mondiale vers une forme de démocratique de l'autodétermination d'une citoyenneté mondiale. Nous sommes, je pense, en droit d'exiger une transparence mondiale, mais en tant que juriste, nous devons analyser aussi d'autres éléments constitutifs du droit,
comme la participation, la contestation et le faire des recommandations juridiques pour contribuer à la réalisation d'un ordre international juste. Merci.